Le mot qui ronge notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, vous savez pourquoi Las Foko, à l'arrivée du président de la République à la tête de ce pays, nous avons dit que nous allons l'accompagner parce qu'il avait presque la vision que notre association des volontaires du Congo, la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, la concussion, le trafic d'influence et même l'enrichissement illicite. Nous venons de totaliser 36 ans, le 26 juin de cette année, d'existence de l'Association des volontaires du Congo. La lutte contre les antivaleurs, c'est notre, je dirais, le chemin que nous avons embrassé depuis la création de notre association. La corruption en RDC, ça devient comme un mode de la vie. Je me souviens, quand j'étais encore enfant, on chantait l'article 15, « Débrouillez-vous ». On ne savait pas c'est quoi. Mais ces slogans-là est installé dans les têtes des Congolais. Vivre dans des facilités, vivre dans les tricheries, vivre dans la corruption, le vol, ainsi de suite. L'immoralité généralisée dans ces pays. Il suffit de vivre à l'étranger. Quand tu es à l'étranger, tu as un autre mode de vie. Et quand tu reviens dans ces pays, vous verrez que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Chacun se débrouille négativement pour gagner la vie. Alors la corruption est devenue une vie normale aux Congolais. Alors depuis que le président est arrivé à la tête de ce pays, il ose dire qu'il faut combattre la corruption. Je l'ai suivi. Je crois que c'était avant-hier, ou pas avant-hier, hier, je crois, quand il causait avec les journalistes. Il commence à regretter. Il a dit même quelque chose, là où il a dit que le feu président Mobutu, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Azabanga, lui aussi, il était de passé quand il avait dit « Voler peu d'argent, c'est comme s'il avait autorisé, voler peu, laissez d'autres. » Et comment tu vas prendre tout, jusqu'à ce que lui-même, il s'est senti dépassé. Moi, Dufina, je mène cette lutte, j'arrive à me trouver seul. Personne qui m'encourage que cette lutte, que nous le menions ensemble, personne. Sauf quand le président parle de cette lutte, je me suis réjoui quand même. Et je vois comme je deviens un ennemi de tous les Congolais, puisque je suis en train de lutter contre la corruption. C'est un mot qui ronge ce pays. On n'a pas pitié aux autres. Tu prends le tout.
Tu penses que toi-même tu es Congolais, d'autres doivent souffrir. Et ça me ronge moi-même au cœur. Mais M. Doufine, est-ce qu'on peut dire que depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, il y a des avancées? Effectivement, dans cette lutte, qui savait qu'on peut arrêter un directeur de cabinet du président? Là, vous parlez de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Qui savait qu'on peut arrêter de ministre? Qui savait ça? Mais la thèse de Kamerhe, elle est toujours rejetée par ses militants, ses sympathisants. Mais c'est puisque il voit que arrêter quelqu'un à cause de la corruption, il voit que c'est un péché. Qui ne vole pas? Voilà ce qu'il croit. Qui ne vole pas? Surtout Congolais. Mais il fallait commencer par la tête. Je crois que c'est ce qu'on dit souvent. Il faut commencer par la tête. La tête, c'est le chef de l'État, c'est ça? Effectivement, même si lui aussi, lui. On l'a attrapé, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Mais il faut commencer quelque part. Vous n'allez pas dire peut-être aux Congolais qu'on a arrêté quelqu'un puisqu'il a détourné l'argent de l'État. Un grand monsieur. Là, on ne peut pas croire à ça. Parce que tout le monde vole. On croit qu'on est seulement contre lui, mais tout le monde vole. Alors, moi, je crois que depuis que le président est là, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Ça veut dire que on commence à arrêter. Et ça fait peur. Parce qu'avant de commencer tout ça, la sensibilisation qu'on est en train de mener, même si on arrête quelqu'un, mais ça commence à tiquer au peuple congolais que personne qui est au-dessus de la loi. Il fallait commencer par là. Là, on peut dire que c'est qu'il y a la volonté de mettre fin à la corruption et les détournements au pays. C'est son désir. Il veut ça. Et même moi, Doufina, je te dis 36 ans, qui suis en train de mener cette lutte. Mais au début, quand je parlais même de droits humains, on me considérait comme un détraqué mental. Je disais, j'ai sensibilisé la Déclaration universelle des droits humains. Et on m'appelait droit de l'homme, j'étais presque seul. Hein? Qui croyait que la gratuité de l'école primaire peut arriver? Est-ce qu'elle est effective? Mais si elle n'est pas effective, mais quand même, il a commencé. Puisque quand moi je le disais, on me croyait que je suis d'un traqué mental. Mais quand même, ça s'est trouvé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et même aujourd'hui, ça se trouve dans la Constitution. Mais l'applicabilité, qui devait appliquer ça? Mais il a osé quand même à dire qu'il faut ça. C'est un droit. Et vous soutenez les chefs de l'État? Effectivement. Moi, je le fais. Sur ce point, je le fais. Puisque c'est un droit. Quand vous êtes en train de vulgariser cette Déclaration universelle des droits humains, c'est un article, c'est un droit des enfants. Moi, Doufina, l'école primaire était gratuite. J'avais fait ça, c'était à l'Athénée Royale, à notre époque. Le transport, gratuit. Les objets scolaires, gratuits. Pourquoi tout a changé? On l'a fait. Tout a changé, pourquoi? Bon, c'était ça. Depuis que nous avons chassé l'homme blanc, nos colonisateurs, tout était bâclé. Donc, on ne sait pas pourquoi ça a changé. C'est plus que l'ingérence. On a mal géré le pays. On a mal géré le pays. Là, voilà. Là, vous voulez dire les présidents qui ont pu diriger ces pays, en commençant par Mobutu, Kabila et consorts. Et tu sais qui dit, il est là, il cherche. Tu sais, il y a la différence que vous pouvez trouver entre les trois présidents, ou quatre, je dirais-je. En un mot, c'est quoi la différence? La différence, c'est quelqu'un qui a vécu en Europe, grandi en Europe, il a le sang au respect des droits humains. Là, vous voulez parler de Tshisekedi? Effectivement. Il a vécu en Europe, il a grandi en Europe, il a un peu le sens des droits humains. Et je l'ai senti hier.
quand il était avec les journalistes, il vous a bien éclairci que, en tout cas, lui-même ne comprend plus rien. Quand quelqu'un qui n'a pas pitié aux autres, il ne comprend plus rien. Un président qui vient de forêt, de la brousse, il n'a pas de référence de droits humains. Là, vous voulez parler de tous ces présidents-là qui sont venus de brousse, ils sont nombreux. Ok. Tu peux citer et Mobutu, et Musé, et son fils Joseph, tout ce monde, ça. Ils sont venus de la brousse, c'est ça? Effectivement. Ils n'ont pas de référence. Ils sont venus seulement attaquer les autres. Moi, je n'aime pas les blancs. Moi, je n'aime pas ceci. Effectivement, c'est de la violation grave des droits humains. Tu ne veux pas d'un homme blanc, puisqu'il est blanc. Tu n'aimes pas un Tutsi, puisqu'il est neurotique. Et ainsi de suite, tu vois. Tout ça, ce sont des violations graves des droits humains. Et ça va nous amener à des guerres inutiles. À des guerres inutiles. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, avec le président actuel, malgré que les Congolais croient que il voyage beaucoup, il voyage beaucoup. Il cherche à créer l'amitié. Mais ça pèse sur les pays, les consommer. Non, écoute. Reste à vérifier. Voyager pour chercher la paix. Et rester pour avoir l'insécurité. La paix qui n'est pas toujours là. Il faut commencer. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, le Congo adhère dans d'autres pays voisins. Le bon voisinage, ça va diminuer les colères. Là, vous voulez parler du Rwanda? Rwanda, Burundi. Est-ce que ça vaut la peine que la RDC collabore avec le Rwanda, parce que certains Congolais. Mais le Rwanda serait un pays de tristesse. Mais si vous cherchez la paix, si vous cherchez la paix, il faut la collaboration. Mais la RDC, si vous restez des ennemis, c'est ça l'insécurité. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont des petits pays qui doivent jouir des Congolais. Nous sommes leurs grands frères. Qu'on se dise la vérité. Nous sommes leurs grands frères. Et nous devons se comporter à des grands frères. Vous n'allez pas dire que vous devez maintenant vous comparer à un petit pays comme le Rwanda. Non. Mais c'est du final de temps fait la fête de cet entretien. Revenons sur notre sujet principal. Ok. Et parlons de cette actualité. Vous avez suivi ce qui se passe à Kinshasa dans l'affaire Matata Ponyo, poursuivi par la justice. On l'accuse qu'il aurait détourné les fonds qui étaient alloués dans les projets Bukangalonzo. On a suivi au Sénat, il y a certains sénateurs qui l'ont protégé, qui n'ont pas voulu que le sénateur Matata Ponyo soit déféré à la justice. Voilà. Mais il y a un autre dossier qu'on ressuscite, la justice est arrivée sur un dossier de 2018, toujours accusé dans les détournements. Comment vous analysez cette affaire? Je l'ai dit, ils seront très nombreux qu'on doit arrêter. Très nombreux. Pour les détournements. Mais selon moi, on devait les laisser tous. Tranquille. Mais qu'on commence maintenant. Actuellement, celui qui prend, on l'arrête. Puisque c'est une chaîne de gens. Si nous suivons des réalités, ils seront arrêtés. Est-ce que vraiment Matata Ponyo a détourné? Bon, je n'ai pas à confirmer ou à infirmer. Il mérite la prison? L'essentiel qui répondent pour la justification. Moi, je n'ai pas détourné. Regarde, c'était ça et ça et ça et ça et ça. Mais Matata Ponyo peut être la clé pour ouvrir l'entrée d'autres personnes. Si on disait Matata Ponyo était responsable parmi d'autres, ils sont nombreux. Donc la liste est longue. La liste est très, très, très longue. Par exemple, vous connaissez certaines têtes qui doivent
tombé. Mais est-ce que quand il fut Premier ministre, il y avait un président, non? Qui pouvait tout gérer. Donc là, vous voulez pas... Il y avait d'autres ministres. Et ainsi de suite. Vous voulez dire qu'il y a une complicité entre... Ah, ça, je ne peux pas confirmer, mais j'ai dit que ma tante a fait Premier ministre. Mais ce n'est pas sûr. Et tous ces doivent être poursuivis. Et nous allons voir maintenant. C'est à lui. C'est lui maintenant qui doit aller à la justice pour démentir ou dire voilà, on était nombreux, moi je n'ai pas. Bon, qu'on lui laisse le temps d'aller s'expliquer. Et s'il s'en veut vrai? Puisque je sais qu'on ne peut pas le relâcher pour qu'il aille dévoiler le tout. Maintenant, on doit essayer de le protéger pour se protéger aussi. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai. Nous vivons des détournements, nous vivons des vols, nous vivons de la corruption. Personne qui oublie ça. L'affaire Matata Ponyé, est-ce que ce ne sont pas des encharnements politiques? On peut croire ainsi. C'est une bonne chose. Si c'est ça qu'on attend aussi l'autre tour, puisque le bloc Tshisekedi ne vont pas rester là-bas éternellement. Un jour aussi, on va leur demander de rendre compte. Donc eux aussi, ça sera à leur côté. Donc c'est une bonne chose. Tu es là, tu as mal géré, tu sors, on t'arrête. Qu'est-ce qu'on fait avec d'autres en France? L'ancien président de la République. Voilà. Il avait aussi eu des problèmes en Afrique du Sud. Voilà. L'ancien président de la République. Bientôt, on va l'arrêter aussi. Donc, c'est voilà un système que nous voulons. Et c'est lui qui va être là. Il sait que après moi, je peux être contrôlé. Il doit avoir peur. En France, même quand on a suivi ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Monsieur le Président. Ouais. Alors, revenons dans notre pays. Certes, vous le dites, on le sait bien, on connaît votre combat que vous menez depuis plusieurs années. Et du coup, on a un chef de l'État qui a aussi cette vision-là, ces combats-là, et vous les soutenez. Mais qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État concrètement pour finir, pour essayer un peu de lutter avec tout ce que ce pays traverse lié à la corruption, des détournements? Moi, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est-à-dire que le président aussi l'a dit hier, la justice. Il manque. C'est là où il y a un problème. Ce sont la justice qui soulève une nation. Mais est-ce que chez nous au Congo, lui-même il a regretté. Il ne sait pas où aller. Qui va sanctionner? Qui sanctionne qui? Mais il est le commandant suprême quand même. Effectivement, il est la tête. C'est ce qui lui fait mal. Il est la tête. Il doit avoir des bras. Il doit avoir des pieds. Mais quand c'est la tête seule, il y a un problème. La justice, il ne sait pas, il regrette. Qui? Je peux avoir confiance à qui? Et nous, ça fait des années et des années qu'on dénonce cela. Et il a bien dit, ils cherchent comment améliorer leur salaire. Mais avec quel budget? Quel budget? Le Premier ministre actuel qui exige 36 milliards pour l'aider à bien fonctionner. Mais c'est trop. Hein? C'est beaucoup. Mais comment? Nous, on devait avoir quel budget? Hein? Quel budget avec un grand pays avec de telles richesses? 300 milliards, 500 milliards. C'est ce qu'on vit en ce pays. Vous n'allez pas dire que 36 milliards, c'est beaucoup. Nous sommes à 3 milliards. 3 milliards, mon frère. Nous sommes le dernier en Afrique, je dirais même au monde, avec un budget pareil. Donc c'est une honte pour ce pays. Tellement, c'est une honte pour ce pays. Comment vous allez comparer le petit pays comme le Rwanda, qui a plus de 20 milliards, avec notre pays? Comment expliquer ça? Monsieur Dufin, en tournant vers la fin, peut-être la dernière question. Est-ce que tu sais que tu voles aussi ces pays? Bon, c'est une maladie pour tous les Congolais. On peut le faire changer la vision, puisque... Je me souviens, je veux te dire quelque chose. Le musée,
Musée Kabila, quand il était venu ici, quand il, à son entrée ici, son discours, il parlait de quoi? Vous, Congolais, vous êtes toujours des musiciens, la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand il était arrivé à Kinshasa, bon, il ne savait pas quoi faire. Pour être aimé avec ce peuple, il faut suivre leur marche. Et c'est là, il est avec Tchalamoana, tout ce monde. Lui-même, il est devenu musicien. Puisque c'est le peuple qui ne veut pas qu'il y ait un changement. Et ça devient tout un problème. La dernière sortie médiatique du chef de l'État, c'est tout là où cette sortie qui suscite des réactions, des polémiques au pays, c'est tout là où il parle, il répond à la question du journaliste, celle de savoir son salaire, les chiffres exacts. Tshisekedi a répondu qu'il ne sait pas ce que les choix fait du monde. Vous dites cause problème qu'il y a aussi quelque part là où le chef de l'État détourne de l'argent. Bon, en fait, je te dis ceci, on risque de l'échanger. Même s'il est venu, il devient seul. La corruption, c'est ça le monde de la vie. Il se retrouve un peu seul. Il risque d'échanger. De devenir aussi voleur comme d'autres personnes. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Jusque-là, je n'ai pas de preuves, mais je vous dis ceci. Ce qu'il a dit avec les journalistes, moi, ça m'a fait peur. Effectivement, s'il disait que je gagne autant, plus que d'autres, ça pouvait créer des polémiques. Vous voyez ? Donc c'est beaucoup, hein. Moi-même, je ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Car lui-même, il ne sait pas. Moi, je ne peux pas connaître. Mais les gens qui donnent, ces gens qui pouvaient dire, voilà, vous ne savez pas combien ils gagnent. Vous voyez, c'est ceux-là qui donnent. Pourquoi lui, il cache pendant qu'à l'époque de Kabila, on savait quoi il touchait, effectivement? Kabila n'a jamais dit son salaire. Non. Personne parmi nos dirigeants. Même si on demandait au ministre, il gagne combien? Ils ne peuvent pas vous dire ça, la vérité. Même les députés, nos envoyés, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Donc, ils savent que à la tête, on consomme beaucoup, qui est la base. Et ça fait peur de le dire ouvertement. Ça peut susciter des révoltes même. Oui. En un mot, M. Dufina, pour finir cet entretien exclusif que vous nous accordez, quel message que vous pouvez adresser au chef de l'État ainsi qu'au peuple congolais vis-à-vis de la corruption au pays? En fait, il est dans une bonne voie. Il est dans une bonne voie. Qu'il ne relâche pas. Même ici, il se retrouve moins nombreux à des gens qui veulent le changement. Je l'appuie, qu'il ne se décourage pas, qu'il continue dans cette voie. Je sais que ce n'est pas une voie facile de changer les mentalités des Congolais. Ce sont des hommes difficiles, ce sont des hommes qui veulent la facilité, les spoliateurs, qui ne changent pas. Qu'il soit dur. C'est, voilà les gens que nous voulons dans ce pays, qui luttent contre la corruption. Et surtout, le tribalisme, surtout le racisme, l'ethnicisme. Je sais que les Congolais ne sont pas pour des gens qui veulent ce changement, mais qu'ils continuent. Moi, j'ai grandi dans ce pays. Je commençais à vieillir. J'étais là quand nous avons eu l'indépendance. J'ai vécu l'époque de Kassavubu. J'ai vécu l'époque de Mobutu, Musé, son fils Kabila. Et aujourd'hui, je suis avec Tshisekedi. Je vois les différences qui existent
entre les quatre présidents. Donc vous maîtrisez l'histoire congolaise. Je connais, je suis quand même outillé dans la vie des Congolais. Merci Monsieur Doufina, je sais prochainement on viendra ici pour qu'on en parle également. Comme vous l'avez dit, vous maîtrisez, en tout cas vous avez connu tous ces présidents congolais. Peut-être on aura un moment de venir pour que tu nous expliques, tu nous dises à long et à large l'histoire congolaise. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci beaucoup Monsieur le journaliste. Je suis très disposé à partager avec vous l'histoire de ce pays. Merci. Merci beaucoup.